Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour cette troisième technique du mois d'octobre dédiée à la colorisation. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, je suis Harmonie Marais, alias Harmonie Scrap, et nous nous retrouvons chaque semaine pour un nouveau projet créatif. Ce mois-ci, je vous propose que l'on se retrouve à l'occasion de 5 lives pour des techniques de colorisation. Donc, nous avons déjà travaillé ensemble le crayon estampé, les crayons aquarelles, les Stampin' Blends, mes chouchous. Et cette semaine, je vous propose que l'on découvre ensemble les doigts éponges. Avant toute chose, comme d'habitude, vous le savez, je vous informe de ce qui se passe chez Stampin' Up en ce moment. Et l'événement majeur de ce mois-ci, c'est l'ouverture de Stampin' Up en Belgique, évidemment aussi en Irlande également. Alors voilà, amis belges, que vous souhaitiez devenir cliente ou démonstratrice, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Sachez d'ores et déjà que vous avez dans le lien au-dessus de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube, un lien qui va vous diriger vers un document dans lequel vous trouverez toutes les informations indispensables pour devenir soit cliente, soit démonstratrice chez Stampin' Up. C'est vraiment un moment historique, l'ouverture dans un nouveau pays. J'espère que vous serez aussi ravis que nous le sommes. Bienvenue et nous avons hâte de vous accueillir autant que nous sommes dans nos équipes. Deuxième information, vous le savez, donc nous sommes le 17 octobre et les inscriptions sont ouvertes pour la box mensuelle. Du 15 au 20, chaque mois, vous recevez un petit colis surprise. Voilà, donc là, normalement, les boxeuses ont reçu ce mois-ci leur nouvelle box et j'espère qu'elle va leur plaire. Comme vous le savez, cette vidéo est préenregistrée exceptionnellement. Je suis retenue, donc voilà, cette vidéo est enregistrée. Du coup, vous allez pouvoir en profiter tranquillement. Pas d'inquiétude de se dire, zut, je ne serai pas dispo pour le live. Tout le monde est logé à la même enseigne cette semaine. Alors, je vous propose que l'on démarre. Voici donc l'objet du délit du jour. Les doigts éponges, donc, qui sont des petites choses en plastique comme ceci. Il y a un trou à l'intérieur pour pouvoir y mettre notre petit doigt, ce qui permet un maintien parfait de l'objet pour pouvoir coloriser avec. Plusieurs options de colorisation avec ces fameux doigts éponges que je vais vous présenter bien sûr aujourd'hui, enfin au sujet pardon, du rangement. Vous trouverez dans le commerce plein de petites boîtes qui pourraient convenir au rangement donc de ces fameux doigts éponges. Ici, une boîte avec plein de petites cases dedans, donc c'est parfait. Il existe aussi des supports un petit peu genre amphithéâtre pour ranger des rouges à lèvres aussi, par exemple, vous pouvez utiliser ça. Ensuite, vous pouvez soit les ranger hop, tête en bas comme ceci. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas découper un petit rond de papier avec les initiales de la couleur, par exemple, ou faire comme moi, une étiquette ici avec le nom de la couleur écrit, pardon, dessus. Voilà, à vous de voir ce qui va vous être le plus pratique. Ici, j'ai pratiquement un doigt éponge par couleur. Ils sont vendus par paquet de 5, donc c'est relativement intéressant quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, après, vous voyez, il reste un petit peu de couleur dessus. Bon, vous pouvez, si vous le souhaitez, les nettoyer en les passant tout simplement sous l'eau claire avec un tout petit peu de savon et en laissant sécher. Bien sûr, c'est important. Et puis, donc, tête en bas pour qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne dans le support ici. D'accord? Donc, ça, c'est le côté un petit peu pratique, technique pour bien stocker ces petites choses. Si vous les rangez dans des boîtes, comme par exemple les supports là dont je viens de vous parler, qui n'ont pas de couvercle, je vous conseille de les mettre tête à l'envers pour simplement qu'ils ne sèchent pas.
D'accord? Quand ils sont ici dans ma boîte avec ce couvercle, voilà, j'ai aucun problème. Ça ne sèche pas, ça ne jaunit pas, donc pas de souci. Voilà pour ces premières infos. Alors, je vous propose qu'on découvre tout de suite les différentes manières d'utiliser ces doigts éponges. Et pour cela, je vais donc prendre tout de suite un tamponnage que j'ai déjà préparé pour vous faire gagner du temps. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour utiliser ces fameux doigts éponges pour cette colorisation, dans un premier temps, j'ai du papier blanc simple. Le blanc simple basique suffit tout à fait pour ce genre de création. Pour ce qui est de l'encre noire, lorsque vous souhaitez faire un tamponnage avec donc un motif particulier, je vous conseille d'utiliser l'encre Memento. Voilà, vous le savez, à chaque fois, je vous conseille l'encre la plus adaptée à la technique de colorisation en question. Ici, eh bien, on est à nouveau sur l'encre Memento. C'est vraiment celle qui vous servira un maximum, que ce soit pour des tamponnages simples ou pour de grands nombres de techniques de colorisation. Donc là, j'ai déjà tamponné donc avec le set de tampons bien fait et confortant. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes les références des produits que j'aurai utilisés pendant ce projet sur mon blog sans aucun souci. Donc là, je vais partir sur deux couleurs dans un premier temps pour vous montrer. Je vous montrerai le résultat final après. Donc je pars sur mon très cher béguin bleu, donc pas d'encre, vous l'aurez compris. Ok. Et donc avec mon doigt éponge et avec l'autre couleur sous l'écume. Et en fait, vous allez voir que le principe est très simple. D'accord? Je prends mon doigt éponge, je viens mettre de l'encre dessus. Au cas où, voilà, on dépose un petit peu le surplus et on vient simplement, avec le doigt éponge, passer de la couleur sur nos motifs. Alors, pas d'inquiétude, vous vous doutez bien qu'avec un doigt éponge comme ça, on ne va pas faire quelque chose d'extrêmement précis, mais en fait, ce n'est pas ce qui est recherché à la colorisation au doigt éponge, c'est vraiment de faire quelque chose d'un petit peu flou, c'est ça qui est sympa. Donc un petit peu de débordement n'est pas gênant. Donc, et voilà, on vient simplement déposer l'encre aux endroits souhaités. Donc là, je vais faire mes petites feuilles en sous l'écume. Voilà, là je débordais un peu, mais finalement, on s'en fiche. Voilà. Ça donne un petit peu de contraste. Hop. Un petit peu d'ombre. Et voilà. Et on fait ça partout. Voilà. On le prend un petit peu de côté si on a vraiment quelque chose d'un peu plus fin. Là, ici, vous voyez ma feuille entre mes fleurs. Voilà. Où est-ce que j'ai des feuilles ici aussi? Tac. Alors évidemment, ce n'est pas une technique qui est à utiliser pour les personnes qui sont hyper maniaques et qui ne veulent pas que le moindre bout de d'encre ne dépasse. Voilà, je vais prendre mon bleu et là je vais venir donc coloriser ma grosse fleur. Là, je vais déposer un peu plus de bleu au niveau tour. Voilà, je dépose un peu. Et là, je viens coloriser le reste de ma fleur. On n'appuie pas trop fort, c'est pas nécessaire, sinon on a des gros ronds qui apparaissent, sauf si c'est souhaité, bien sûr. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment dans les autres techniques, on n'hésite pas à se servir en fait des motifs que l'on a grâce au tamponnage pour décider de l'intensité de l'ombre du motif. D'accord? Donc là, voilà, j'hésite pas à insister autour et ensuite, je viens déposer mon encre un peu partout. Donc, vous voyez, nul besoin d'appuyer trop fort,
Sauf si on veut vraiment que le marquage soit très très intense. Voilà, et là je viens donc coloriser toutes mes petites fleurs. J'ai envie de rester sur le bleu, mais bien sûr vous pourriez choisir de mettre plusieurs couleurs. Aucun souci. On y va tranquille. Voilà. On dépose plus ou moins intensément notre couleur. Voilà. Bref, vous aurez compris le principe. On prend notre doigt éponge, on le trempe dans le pad d'encre et on y va. On se fait plaisir avec la colorisation. Donc, je vais vous montrer tout de suite le résultat final de cette création. Hop. Aller jusqu'au bout puisque le but est vraiment de vous montrer comment ça fonctionne et pas de créer la carte en elle-même. De toute façon, vous avez les mesures sur la fiche technique. Voilà le résultat final. Donc j'ai un petit peu plus insisté sur l'intensité de mes couleurs, vous voyez, par rapport à ici, mais voilà, là vous êtes vraiment libre. Ça vous montre aussi que selon comment on appuie, eh bien on a des résultats même différents. J'ai utilisé un doigt éponge ici avec le Mélodie de Mangue, pardon, pour le centre. Et je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, ça brille un petit peu. Donc, je suis venue passer un petit peu de Wing of Stella, le pinceau à paillettes, autour. Voilà, tout simplement, ce que vous pouvez obtenir avec un simple tamponnage. Donc, voilà pour la première solution, la première possibilité que vous avez avec ces doigts éponges. Deuxième petite chose que je voulais vous montrer. Oula, ils sont légers, vous voyez. Là, je vais partir sur deux autres bleus, donc Tahiti en mer et Oasis d'orchidée que j'aime vraiment beaucoup. Et là, je vais prendre mes tampons qui vient du set Voici plein de sourires. Et là, ce que je voulais vous montrer, on va faire ça tout de suite, j'ouvre mes encres. Alors, dans un premier temps, je vais mettre mon encre directement sur mon tampon. Voilà, donc j'ai mon Tahiti en mer ici. Et là, ce que je veux faire, en fait, c'est donner un petit peu d'intensité. Une autre couleur à ma fleur, vous allez voir. Et pour cela, donc, je trempe mon doigt éponge dans mon pad d'encre et je viens cette fois déposer l'encre sur le tampon. Et en fait, le principe là, donc, je vais mettre juste sur les contours, comme ceci, très légèrement. Voilà. Et du coup, vous allez voir, une fois que je vais tamponner, c'est magique. Je vais la mettre là. Voilà. C'est absolument magnifique. Vous voyez, la fleur a deux couleurs. Et du coup, elle est juste éclatante. Donc ça, c'est magique. Donc vous pouvez imaginer faire ça sur tous vos sets de tampons. C'est trop bien. Je pourrais aussi décider de ne me servir que de mes doigts éponges pour ancrer mon tampon. Voilà, donc là je vais mettre mon Tahiti en mer ici. Voilà, plus ou moins intense, peu importe. Et je viens reprendre l'oasis d'orchidée. Et je fais comme tout à l'heure, je viens déposer au-dessus. Hop. Et ensuite, je viens déposer sur le papier. Et voilà, c'est magique. On se retrouve vraiment avec quelque chose de très original. Voilà. On peut imaginer de faire ça avec plusieurs couleurs ou avec juste deux. Voilà. Il n'y a pas de limite, donc ça, c'est vraiment un vrai bonheur à faire. Donc, sachez que vous pouvez coloriser donc
vos motifs directement avec les doigts éponge, que vous pouvez aussi vous amuser à coloriser de différentes façons vos fleurs. Imaginez que vous avez un tampon qui a déjà la tige incluse et que vous ne voulez pas qu'elle soit uniquement en bleu ou uniquement en vert. Eh bien, servez-vous de vos doigts éponge pour coloriser en vert votre tige et la fleur d'une ou plusieurs couleurs. Donc ça, c'est trop bien. Ça laisse des possibilités, encore une fois, incroyable. Donc, je vais vous montrer le résultat final. C'est une carte que vous aviez déjà vue si vous me suivez depuis un petit moment. Voilà. Voilà, donc le principe, hein, vous voyez, ici, de ma fleur avec les deux couleurs. C'est trop bien. Voilà ce que ça peut donner. J'ai fait pareil ici. Voilà, j'ai déposé de façon aléatoire, les deux couleurs différentes avec les doigts éponges. C'est trop bien. Voilà ce que vous pouvez faire. Je vais vous montrer une autre chose. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, par exemple, je vais reprendre celui-ci, vous amuser à créer un fond de carte. Donc là, on retrempe le doigt éponge comme ceci. Et là, on vient appuyer et on se retrouve avec des super jolis ronds absolument parfaits. Voilà, qu'on dispose un petit peu partout. Et ça, c'est idéal pour faire un fond de carte. Voilà, on est sûr que nos ronds sont géniaux. Donc là, contrairement à tout à l'heure, on insiste bien. On les dépose complètement aléatoirement sur le papier blanc. Vous avez vu comme c'est joli? Voilà. Et à chaque fois, on revient tremper notre doigt éponge droit. Et vous avez vu, à force, ça sèche. Donc ça devient très uniforme. C'est sympa, c'est original. Donc on peut imaginer d'ajouter par exemple une deuxième couleur qui va être celle-ci. Tiens, je vais prendre je vais prendre ça, le Mélodie de Mangue, et je vais faire la même chose, comme ça on va avoir quelque chose de bicolore. Voilà, et ça va nous faire un fond de carte tout à fait original, hyper simple, hein, voilà. Une fois que vous aurez fait vos ronds, vous pouvez imaginer déposer un tamponnage en noir, par exemple, dessus. Voilà. Même les enfants peuvent le faire, ça c'est assez sympa, je trouve. Voilà. Toc. C'est magique. Voilà, on pourrait continuer longtemps comme ça. Mais du coup, voilà, vous savez que vous pouvez faire plein de petits ronds, un truc assez psychédélique. Avec vos doigts éponges, vous avez des cercles absolument parfaits et qui sont super bien ancrés. Vous avez vu, plus ça va, plus ça sèche et du coup, ça devient hyper clean, hyper lisse. C'est top, hein? Alors, dernière chose que je voulais vous montrer. Hop, je mets ça de côté. Et du coup, cette fois, je vais prendre mon Stamparatus. Voilà, j'ai déjà posé ici le tampon donc de fond de carte. Ok, j'ai déjà positionné pardon. Mon papier. Donc là, je ne mets pas d'aimant, hein, puisque c'est un set. Un tampon en pleine page, donc je ne peux pas en mettre un. Je viens d'abord déposer directement l'encre avec mon pan, donc l'encre la plus claire, ici Mélodie de Mangue. Voilà, pour ce genre de choses, je préfère prendre le Stamparatus parce que du coup, s'il y a besoin, je peux venir de nouveau ancrer mon papier. Voilà.
C'est assez sympa. Ok, je le repositionne bien si jamais il a bougé. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait mes petits traits autour pour être sûr de savoir où j'allais le poser. Et du coup, eh bien, bon, je ne veux pas qu'il soit que d'une seule couleur. Donc, cette fois, je vais prendre du tarte au potiron. Je vais prendre mon petit doigt éponge. Je vais faire comme tout à l'heure, reprendre de l'encre ici. Voilà. Et je vais venir en fait en déposer, par exemple, ici, autour du soleil. Et je peux aussi en diffuser un petit peu plus partout, de façon tout à fait aléatoire. Voilà, très légèrement autour, ça s'écarte un peu. Ça va venir ici être plus foncé. Voilà, et je viens de nouveau ancrer. Et voilà, du coup, l'avantage du stamp apparatus, encore une fois, c'est que je sais que ça va être bien positionné. Et du coup, voilà, on a quelque chose de plus foncé ici au centre. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, aucun problème. On réitère l'opération. Voilà, hop, on vient reprendre de l'encre sur le doigt éponge et on réancre au même endroit. Voilà. On s'assure que le papier, c'est bon et bien en place. Et voilà. Toc. Vous voyez, on aperçoit vraiment la partie qui est beaucoup plus ombrée. Et du coup, ça s'éclaircit tout autour. Voilà, ça accentue vraiment les rayons du soleil. Voilà, c'est vraiment très pratique. C'est sympa, hein? Donc voilà, ça y est, l'essentiel de ce que je voulais vous montrer sur l'utilisation de ces doigts éponges, eh bien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous voyez que ces petites choses sont quand même très pratiques. Voilà. Donc, je vous rappelle que nous avons vu ici la colorisation en direct sur un tamponnage en n'oubliant pas d'utiliser l'encre Memento. D'accord, donc avec peu importe hein, tous les pads d'encre possibles. Ok, vous avez aussi la possibilité de tamponner de deux couleurs, voilà, pour accentuer à certains endroits vos motifs. Mais là, donc vous avez la tige qui est séparée de la fleur dans le set. Mais si vous avez des fleurs entières, vous pouvez utiliser pareil votre doigt éponge, enfin vos doigts éponges pour coloriser directement sur le tampon pour avoir des couleurs différentes. Vous pouvez décider de créer vos propres fonds de carte, voilà, avec vos doigts éponges, juste en tamponnant des petits ronds. Quelque chose d'un petit peu original. Et encore une fois, tamponner donc directement, déposer directement des couleurs différentes sur un même tampon pour obtenir quelque chose vraiment de mélangé. Vous pouvez mélanger les couleurs sans aucun souci. Voilà. Voilà tout ce que vous pouvez faire avec vos doigts éponges. Donc surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je vous rappelle qu'ils sont vendus par lot 5. Donc déjà, ça vous laisse une large possibilité d'utilisation, ne serait-ce qu'avec 5. Voilà, vous pouvez faire vraiment plein plein de choses. Donc c'est vraiment super pratique. Et ça va vous faciliter la vie, c'est certain. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette troisième technique du mois de la colorisation by Harmony Scrap. J'espère que vous aurez appris quelque chose encore aujourd'hui. J'espère que eh bien, vous allez avoir envie d'utiliser ces fameux doigts éponges. Si vous avez bien sûr d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle technique de colorisation. Il nous en reste deux à voir. J'espère qu'elles vous plairont autant que les trois premières. Et surtout, n'oubliez pas, amis belges, vous êtes les bienvenus. Nous sommes ravis de pouvoir maintenant vous accueillir en tant que cliente ou démonstratrice. Vous avez tous les liens dont vous aurez besoin dans ma vidéo, au-dessus sur Facebook, dans la barre d'infos sur YouTube.
Et les inscriptions à la boxe mensuelle pour la boxe de novembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 du mois. J'étale un petit peu plus puisque je sais que souvent il y a des retardataires. Voilà, vous avez tous les liens. N'hésitez pas à vous y connecter pour avoir plus d'infos. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Pour la voir et la revoir, pensez à l'enregistrer. Voilà, en général, les vidéos techniques, on aime bien pouvoir y revenir. Donc, enregistrez-la, partagez-la. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit coucou aussi en commentaire. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis!